Aucune action n'est anodine. Rien ne doit nous laisser indifférents. Et surtout, les commandements qui nous lient à notre prochain sont d'une importance capitale. D'ailleurs, c'est pour cela que nos maîtres nous enseignent que Yaakov Avinu, Jacob, notre patriarche, a été puni parce qu'il a délaissé le respect dû à son père en s'enfuyant. Et que donc Esav avait un mérite important dans la main, celui de pouvoir avoir servi, honoré son père, même si ce n'est pas forcément pour des bonnes intentions, alors que Yaakov n'était pas là. Et les commentateurs de se poser la question, en vérité, que se passe-t-il? Parce que finalement, si on fait bien attention, avant le don de la Torah, tout le monde est bnei noach, noachid. Or les noachid n'ont pas l'obligation du respect dû aux parents. Ça ne fait pas partie des règles qui sont énoncées parmi les 7 règles que les noachites doivent de respecter. Et donc, on comprend difficilement, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Yaakov a été puni. Mais d'un autre côté, on se rend compte que Abraham, le premier des patriarches, a connu un dilemme au moment où Dieu lui dit « Va-t'en, quitte ce pays ». Parce qu'il a dit « Mais si je quitte, le nom de Dieu va être profané, ça va être un chilou Hashem. On va dire, voilà, alors que son père est âgé, qu'il a besoin de son aide, il l'abandonne pour aller au loin, pour ne plus jamais revenir. Quelle plus grande profanation du nom de Dieu peut-on trouver ici? Et c'est pour cela que Dieu se doit de dire lui-même à Abraham, je te dispense de cette obligation. D'ailleurs, le texte de la Torah nous dit, « Vayamot terar becharan, terar emor acharan » Et c'est après « Vayomer Hashem el Avraham lech lecha ». C'est après qu'intervient l'ordre de Dieu à Abraham, « Va-t'en, quitte cette terre ». Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nonobstant le fait qu'il soit noachid, étant donné qu'il a accepté sur lui tous les commandements de la Torah, effectivement, Yaakov se doit d'avoir peur du mérite de Esav, parce que le respect dû aux parents est tellement important qu'il dépasse le temps, qu'il dépasse les âges, qu'il dépasse les civilisations, et que fondamentalement, s'il n'y a pas de passé, de parents, il ne peut pas y avoir de futur, et donc on ne peut pas construire le présent. C'est de cela que Jacob avait peur, de ne pas avoir le mérite suffisant pour construire le présent, parce qu'il n'avait pas su peut-être honorer suffisamment le passé avant de se projeter dans l'avenir. Shabbat shalom.